Salut, comment vas-tu? Ça fait longtemps que j'ai pas entendu. Je suis sur Forfainé, je profite pour faire un petit coucou. Comment va ton copain Willy depuis la fois où on s'est vu? J'espère qu'il n'a pas vu mon calbar caché sous le lit. Si c'est le cas, dis-lui aussi qu'à mes chemises dans la banderie. Tu connais déjà mon fondel pour une autre soirée folie. Bonsoir Nathalie, comment vas-tu ma petite chérie? Elle m'a répondu, si tu veux je passe samedi. Alors je lui ai dit, si t'as tes règles, il faut que t'oublies. Si tu les as pas, fais le plein à la pharmacie. Yow. 06 68 69 13 92. Allô, allô, c'est qui? T'as mon numéro et tu me demandes qui je suis. Oh, j'ai reconnu ta voix Delphine. Bien ou quoi baby? Tu sais que ça me manque les petites soirées sous ces sucreries. Si tu veux, passe lundi, j'ai un petit coup dans mon planning. Comment vas-tu ma petite copine? T'as caché ton skateboard dans mon jean. Pleure pas en rentrant, t'auras ta grosse tétine. Attends, dis pas, j'ai un double appel. Dès que c'est bon, je te fais signe. Allô? Elle me répond, c'est Loana, la grande sœur à ton ex. Je viens déposer candidature pour être ta masseuse personnelle. Envoie ta lettre, ton CV avec une photo épicée. Ces temps-ci, je suis débordé, j'ai beaucoup de choses à gérer. Allô, ma coquine d'encore là m'a dit oui, je t'attendais. En attendant, je repensais à la fois où on l'a fait. Dans le parc de Châtelet, s'il le faut, je le referai. Allô, 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 j'ai plus de réseau là, allô. Puis j'ai raccroché car elle commençait à me saouler. Trop de nostalgie, en plus j'ai d'autres femmes à appeler. Bonsoir Mélanie, t'as passé une bonne journée, ça va? Elle m'a dit oui, ça a été, c'est rien qu'à toi que j'ai pensé. Si tu veux, quand on se voit, tu me referas un petit défilé. C'est obligatoire. Crème chantilly, s'il te plaît. Allô, Audrey, CST, j'arrive, prépare-moi à manger. Dessert préféré, mais quand je demande à rire, n'oublie pas de les laver. Attends, je m'essuie, je suis mouillé. Ce que tu m'as dit m'a vraiment perturbé. En plus, je sors de la douche, je m'apprêtais à le coucher. Tout de suite, mon petit bébé, si ton dessert tu veux manger. Alors, j'ai raccroché et mes baskets, j'ai enfilé. Allô, Vanessa? C'est pas Vanessa, c'est son gars. Oh, dis à la petite pisseur, alors bien ou quoi? Dis à Vanessa de me rappeler et de passer me chercher. Ce soir on fait sa fête et on t'a pas invité. Dis en bas du bol là, monsieur, attention. Écoute, arrête d'insulter car ta meuf elle est frustrée. Je l'aide à évacuer car elle est choquée du précoce éjaculateur que tu es. Et puis elle s'est énervée, je lui ai dit d'aller se faire enculer. C'est un coup de main que je lui rends, pas foutu de me remercier. Alors j'ai appelé Bernadette, une biatch qui avait des dettes. Trop de RDV raté, elle a dû croire que j'étais son dep. Elle est blonde, elle est bête, le parfait profil de la skate. J'entends le bruit du serpent à sonner. Eh, c'est pas grave, mais bon, là je vais accoucher. Je me rachète ta cousine, Audrey. Je commence le chemin à pied, qui je vois qui vient me chercher. C'est Vanessa la frusquée, le feu aux fesses, elle est pressée. Elle me dit, mon scientifique, peux-tu m'expérimenter? Alors son vœu j'ai exaucé, puis elle m'a déposé. Alors j'appelle Audrey, elle dit, envoie-moi les clés. Oh oh. Et si vous voulez la suite, appelez-moi 06 96 71 22 32.